Deux avenues du quartier Biachara dans la cellule d'Ilungu vont revêtir de leur nouvelle robe. Il s'agit des avenues de Gracias Kalbunda et de Mumba 1. La cérémonie des lancements des travaux a été faite ce vendredi 16 juin dans la matinée par la première citoyenne de la commune de Dilala, Françoise Mangouji, sous les ovations de la population qui est venue encourager la chef de la municipalité. Ces avenues ont respectivement 800 mètres et 500 mètres pour une largeur de 7 mètres, comme les souligne Cédar Moukaba, coordonnateur des terrassements de l'entreprise qui exécute les travaux. Il est question de réhabiliter quelques avenues, donc, c'est-à-dire stabiliser les avenues, reprofiler les avenues, et puis enfin mettre la pose de l'enrobée. Donc déjà, on a commencé avec l'avenue Kalubunda. Après, on a attaqué encore l'avenue Mumba 1, parce qu'il y a deux Mumba, il y a Mumba 1 et Mumba 2. Donc, après, nous sommes ici, ça c'est Mumba 1. Sur Mumba 1, on a reprofilé. Après le reprofilage, on est en train de stabiliser, c'est-à-dire mélanger la latérite avec du ciment. Après cette étape ici, on va faire le curing time, c'est-à-dire arroser pendant 7 jours. Et puis après les 7 jours, on va passer par la pose de l'enrobée. Françoise Mangouji, pour sa part, invite la population à s'approprier ses initiatives. Il s'est dénoté que ces travaux sont entièrement financés par la commune de Dilala grâce à la redevance minière. Un leadership payant des Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba, pour le développement de la province.